Alors, Tracim Finance poursuit son développement de façon très dynamique. En témoigne l'année 2017, qui a été une année record, avec un peu plus de 230 millions d'euros collectés, ce qui nous amène à aujourd'hui 1,2 milliard d'euros sous gestion. Le début de l'année a été riche en actualité. Nous avons recruté un gérant analyste en la personne de Mathieu Bernard, qui aujourd'hui vient étoffer les équipes de gestion action. Nous poursuivons également notre développement à l'international. Après les marchés belges, suisses et luxembourgeois, nous adressons depuis le début de l'année le marché italien. Enfin, le process ROC irrigue aujourd'hui l'ensemble de la gamme des fonds, ce qui nous permet d'avoir une gamme 100% labellisée ISR à proposer à nos clients. Alors nous restons bien entendu fidèles à notre process d'investissement qui vise à investir dans les sociétés leaders en termes de satisfaction client après analyse de leurs fondamentaux. Cependant, les niveaux de valorisation tendus sur les marchés actions nous ont amenés à être plus prudents. Nous avons en effet réduit de façon drastique nos expositions aux valeurs technologiques depuis quelques mois et nous avons des positions de cash assez importantes sur les fonds, supérieures à 20%, ce qui nous permet non seulement d'amortir les chocs de volatilité, mais en plus de bénéficier d'opportunités sur des marchés un peu plus agités. Alors les fonds Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe sont des fonds actions cœur de portefeuille. En effet, chez Trusteam Finance, nous ne sommes pas des prévisionnistes, mais nous sommes convaincus que d'être investi sur les sociétés les plus orientées clients, c'est d'être investi sur les sociétés qui, quel que soit l'environnement de marché ou l'environnement macroéconomique, verront leurs clients dans les marchés les plus difficiles partir en dernier et dans les phases de reprise revenir en premier. Les bonnes performances dans la durée associées à de très bons indicateurs de risque témoignent de la capacité des fonds à bien se comporter dans les marchés difficiles. Le retour de la volatilité en 2018 est donc un moment opportun pour investir sur ces supports.